trabajar durante un tiempo y la reparación y donde esté. Si algo puede ser funcional. Preguntame lo continuo, que es un lado que se puede dar la forma de vida, por forma o encore de vida. A partir du fournisseur, du bonjour, du paiement, pour plus de chèque, une pièce de test pour les paiements qu'on va faire par la caisse. Le bonjour de livraison du fournisseur. Ici, en fait, on insiste sur le bonjour de livraison, pourquoi? Parce qu'il faut être à chaque paiement d'une facture. Peut-être qu'on a fait une réparation d'une option. Il faudrait quelque chose qui nous prouve effectivement. Qui atteste qu'on a réparé en critère sur la moto. C'est ça qu'on parle de volume et du présent. C'est-à-dire que ça peut être une attestation de service. Ou encore volume et du présent. Donc, dans les deux niveaux de l'instance. Ensuite, nous avons, ça c'est le cas des devants de fonctionnement. Donc, l'entretien, vous pouvez le faire. Maintenant, nous avons le paiement des salaires. Dans le paiement des salaires, il y a l'état de paie. L'état de paie qui sera préparé par le comptable signé par le coordinateur. À chaque fois, il faut faire la copie du contrat de travail. Contrat de travail et la copie du chef. Le contrat de travail, pourquoi? Parce qu'on peut faire des questionnements de manière trimestrielle. Mais dans le trimestre, on s'arrête compte de que. Peut-être que dans une organisation, il y a un démissionnaire. Peut-être le comptable a démissionné. Mais il faudrait que vous la copie du contrat pour s'assurer, effectivement, si c'est le même, si c'est lui qu'on paye, effectivement, si c'est lui qui est toujours envoyé dans l'OSD. C'est pour ça que c'est toujours un à chaque paiement des salaires, c'est toujours un la copie du contrat de l'échec. Donc, dans le cas des supervisions, il y a un souci, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui soit ne comprennent pas. Parce que je suis des gens chuchotés. C'est rapide. Non, c'est pas. Des gens ont des soucis au fond là-bas. Non, voilà, signalez. Vous ne pouvez pas laisser, vous ne suivez pas bien, il avance. Ça va vous rattraper. Parce que vous allez dire que je n'avais pas bien compris la partie là. Si il avance et vous ne suivez pas, vous le coupez. Nous sommes en apprentissage. N'ayez pas, on a dit depuis le début, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Exprimez-vous, si vous n'avez pas compris, signalez. Alors. Il y a un lieu que je m'interroge en cours de présentation. Là, ça permet qu'on avance, vous ne pouvez pas avancer. Donc, c'est plus on avance, plus il y a une incompréhension, plus haut. Il est très concentré, donc je suis là. Mais il est très petit, quelqu'un ne comprend pas ce qui se fait à un tel niveau. Il faut que l'on puisse s'éclairer avant d'avancer. Donc je vais donc revenir sur le règlement. Le processus pour payer les factures. Ça, c'est le processus pour payer les factures. C'est-à-dire, il y a l'entretien de moto, il y a les frais de fonctionnement comme les photocopies. Il y a la réparation des motos. Donc, l'alliance qu'il faut gérer, qui est préconisée, il faut d'abord l'analyse de délit. Puis, si vous prenez le point de vue, quand j'ai une moto, il faut vraiment s'assurer que le montant qu'on dit d'abord est analysé au niveau du délit. Parce que parfois, vous pouvez vous raconter, parfois, quand on produit une performance, nous, dans les temps, on peut dire que c'est cher. J'ai vu le prix, c'est là. Ils recréent la performance, ils baissent le prix. Ça nous permet on finit sur l'heure, une performance par exemple de 10 000 $ au même montant que la facture. Parce qu'il faudrait qu'à la fin, la performance, la facture, est le même montant. Bon, pour les pièces, ça doit avoir une performance. C'est-à-dire, performance, facture, bordeaux de paiement et bordeaux de livraison. Donc, s'il devait livrer par exemple une quantité de livres, peut-être qu'on achète du carburant, mais par exemple livrer une quantité de carburant, il faudrait plutôt au niveau de la,
de la facture qu'on a peut-être qu'on a acheté 30 minutes de carburant, donc ce qui fait peut-être tel montant, quand ils se voient de l'utilisation, on trouve la même quantité de carburant. Sur le règlement de la facture de la moto, là, il peut arriver que le coordinateur ait un accident. Est-ce qu'il faut fournir la photo de la partie où il y a eu le... avant de demander de filmer la partie, il y avait... Il fallait le parler. Ça, c'est pertinent. Mais ici, en fait, on précise les normes sans passer au cas vraiment extrême. Dans ce cas extrême, par exemple, ça, c'est un cas spécifique. Il faut justifier au maximum que la moto a fait un accident, peut-être qu'il y a des têtes qui se cassent. Il faudrait qu'il y ait des preuves, notamment par exemple, pour les certifier que nous. Soit la moto, peut-être qu'on a fait un accident sans casser un tel truc sur la moto. Il faudrait que sur le champ, il faut faire comme vous dites, des photos avec tout le rapport pour justifier la situation. J'ai une préoccupation. Ma préoccupation est celle-ci. On a dit entretien et réparation.